possible. Voilà. Alors, elle nous a promis un joli sol, Lady Winfurland, dont je vous rappelle qu'elle a été médaillée au championnat du monde à Sabahé il y a maintenant 4 ans et qu'elle reste et demeure l'une des meilleures spécialistes, même pour les Jeux Olympiques de Sydney. C'est une médaille possible. Alors, regardons au championnat de France. Double tendu et rebondi percuté. Formidable. Diagonale importante où on ne doit pas sortir. Elle n'est pas sortie, mais elle a fléchi. Cette faute inattendue va peut-être permettre à une autre jeune fille de rêver. Oui, ça fait la part belle pour l'instant à Alexandra Soler, qui restera en tête. Cette fameuse musique inspirée d'un film, Dance With Me, qui est très rythmée et qui correspond tout à fait au tempérament de Ludivine, qui est très tonique sur le sol, notamment, et qui a personnalisé cette évolution. Mais Michel Boutard, tout champion est vulnérable. Que ce soit à la barre fixe, au cheval d'arçon ou même au sol, voilà que cette petite faute-là, c'est pas le moment. Là, c'est l'entrée. L'entrée qui était magnifique. Et ensuite, dans la deuxième diagonale, eh bien, malheureusement, il y a le pied qui a un peu dérapé sur le tapis. C'est juste impulsion. Ici, la double vrille et demie, elle est légèrement en arrière et décalée à la réception. C'est bien rattrapé, voilà. Mais ça va lui enlever quand même peut-être un dixième. Et la médaille d'or au sol. Bon, elle est championne de France du concours général. C'est rassurant pour la meilleure gymnaste française. Mais elle aurait bien voulu quand même briller.